des modalités de gouvernance pour les ressources de l'Empire et c'est une coproduction de la Fondation Peer-to-Peer, qui est mon organisation, donc avec une petite équipe de chercheurs et les fonds de Orange Global, qui nous a soutenus dans cette recherche. Et en fait, je crois bien que c'est la première fois qu'on a essayé de faire un mapping complet de l'économie collaborative. C'est-à-dire qu'il y a des livres sur le crowdsourcing, il y a des livres sur le crowdfunding, il y a des livres sur l'open innovation, l'innovation ouverte, il y a des livres comme Wikinomics, mais je ne crois pas qu'il y avait eu une sorte de recherche qui a mis tout ensemble, donc qui a montré comment tous ces phénomènes sont en fait reliés entre eux. Donc la thèse principale de mon livre, c'est qu'il y a une sorte d'horizontalisation des facteurs de production. Donc l'Internet, ce n'est pas seulement un outil de communication, c'est surtout un outil de création de valeurs collaboratives. Donc aujourd'hui, la société civile est capable de s'auto-organiser et de créer des produits, des systèmes assez complexes comme Wikipédia, Linux, etc. Alors le premier chapitre est un chapitre, on va dire, introductif, donc qui dit qu'il y a une horizontalisation, il y a le choc avec les structures verticales à la société, donc ça donne une diagonalisation, une sorte d'émergence d'une économie hybride. Alors dans deux temps, premièrement, le chapitre 2 et 3, c'est comment est-ce que les institutions existantes s'adaptent à cette nouvelle réalité. Donc on voit qu'il y a des phénomènes comme le crowdsourcing, comme la consommation collaborative, l'innovation ouverte, la co-création et le co-design qui sont où les entreprises se disent comment est-ce qu'on va pouvoir mobiliser la créativité horizontale mais dans notre chaîne de valeur. Alors par exemple dans le crowdsourcing, on peut par exemple avoir des phénomènes où une entreprise va dire ou même une personne va dire j'ai besoin d'un logo. Ils vont mobiliser 300 équipes dans le monde entier pour faire une compétition pour faire le logo et puis ils vont leur payer $300. Donc ça, c'est pas très intéressant. Évidemment, il n'y a pas que ça. Mais je veux dire que quand c'est dans une chaîne de valeur classique capitaliste, c'est quand même un élément d'exploitation qui peut être très très présent. Alors le quatrième et cinquième chapitre. Donc dans le quatrième chapitre, j'ai décrit l'économie bottom-up, c'est-à-dire là, ce n'est pas les entreprises qui essaient d'intégrer cette dynamique, c'est les communautés de création de valeur qui vont s'institutionnaliser, donc qui vont créer leurs propres institutions économiques et de gouvernance. Mais évidemment, ils vont aussi devoir s'adapter dans certaines mesures à l'économie existante. Donc typiquement, cette économie, elle fonctionne comment ? Donc, la valeur aujourd'hui, elle est créée dans le commun. Donc, on emploie des licences de propriété partagée, comme la General Public License, comme les Creative Commons. Et donc, l'innovation va être déposée dans le commun. Ça, c'est très différent de l'ancien système où l'innovation est déposée, on va dire, dans le privé, avec des licences de propriété privée. Donc, c'est une communauté de contributeurs volontaire ou payé, qui va contribuer au commun de connaissances, de code logiciel ou de design. Alors en général, il y a un deuxième acteur que j'appelle les For Benefit Associations. Donc ce sont en général des ONG, des fondations, qui rendent possible la collaboration. Donc par exemple Wikipédia, il faut quand même pas mal d'argent pour financer les serveurs, parce qu'il y a beaucoup de visiteurs, beaucoup d'utilisateurs. Donc la Wikimedia Foundation va générer des fonds pour pouvoir maintenir les serveurs. Va créer un outil de gouvernance pour gérer certains conflits qui
qui peuvent émerger dans la production du Wikipédia. Va protéger le contenu contre des attaques, on va dire, de personnes qui veulent privatiser la connaissance qui est écrite en commun. Donc tout ça est fait par cette fondation et on trouve ce modèle dans pratiquement tous les projets open source dans l'économie du logiciel, mais aussi dans l'économie du open hardware qui est en train d'émerger. Même dans la monnaie, par exemple, aujourd'hui, il y a Bitcoin, qui est une monnaie peer-to-peer, qui est en fait même créée par des ordinateurs. Il y a un groupe qui s'appelle Bitcoin Foundation qui essaye de soutenir ce processus. Et le cinquième chapitre est un chapitre qui décrit les infrastructures distribuées. Donc, par exemple, dans les finances, il y a le crowdfunding, donc la capacité de s'autofinancer entre pairs. Donc on cherche l'argent pas chez les banques ou chez des investisseurs, mais à l'horizontale. Le social lending, donc le peer-to-peer lending, c'est chercher des prêts chez les pairs. Et les peer-to-peer currencies, donc la monnaie peer-to-peer, c'est la monnaie qui est créée par la communauté. Donc Bitcoin, par exemple, c'est intéressant. C'est une monnaie qui a ses limites, qui a certains problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une monnaie post-westphalienne, donc qui n'est pas créée par l'État, qui n'est pas créée par les dettes auprès des banques, qui est créée par la communauté et soutenue par la confiance d'une communauté dans un algorithme, dans un protocole particulier. Et alors le sixième chapitre, c'est sur la monétisation et on va dire ce que j'appelle les open business model. Donc est-ce qu'on peut créer des économies quand il n'y a pas de propriété intellectuelle? Oui. Et je décris dans le sixième chapitre les différents modèles qui émergent pour soutenir cette nouvelle économie. On peut considérer le changement par l'émergence de patterns distinctifs qui n'appartiennent pas à la logique dominante. Donc, par exemple, on est dans la féodalité. Au XIe siècle, il y a la renaissance des villes italiennes. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de banquiers. Mais dans la chrétienté, on ne peut pas demander de l'intérêt. Donc on va inventer le purgatoire qui permet aux banquiers d'acheter des indulgences et donc de racheter leur péché et de ne pas aller en enfer. Puis au XIIIe siècle, les Templiers qui protègent les pilgrims, qui vont, les pèlerins qui vont à Jérusalem, ils vont inventer la comptabilité avec input, output et la balance entre les deux. Puis voilà l'invention de l'imprimante et puis Calvin qui va dire qu'être riche en fait ça veut dire qu'on est élu de Dieu. Donc tous ces patterns n'ont pas directement un sens, mais au XVIIIe siècle on sait très bien que ces patterns se sont retrouvés et ont fondé la logique capitaliste qui a des aspects culturels, des aspects moraux, des aspects financiers, etc. Alors, Wikispeed, j'explique Wikispeed de cette façon-là. Donc, Wikispeed, d'abord, c'est donc un projet d'une voiture open source, donc avec un design ouvert et partagé, premier pattern, qui a été créé par une communauté mondiale, sans capital, mais par une allocation sociale, donc de l'effort, deuxième pattern, qui a été conçu comme une fabrication modulaire, donc un design modulaire où chacun peut contribuer à des parties de la voiture dans le monde entier, ce qui est encore un pattern. La production est dans microfactory, donc dans des usines localisées à petite dimension avec une série d'imprimantes 3D qui sont connectées et qui sont comme un Lego. Donc encore un nouveau pattern. Donc ce n'est pas la production de masse qui requiert du marketing et de la publicité pour vendre le surplus. C'est une manufacturing on demand, donc on fabrique quand il y a la demande. Et donc il n'y a pas de surplus. On voit tout de suite au niveau écologique l'intérêt de ce genre de pratique. En plus, les communautés de design
n'ont pas de logique d'obsolescence planifiée. Donc comment on fait un design qui n'est pas pour le marché, où il faut une tension entre l'offre et la demande, mais qui est faire le meilleur possible design par la communauté, on est dans un design durable, soutenable, etc. Je peux acheter des spare parts, donc des pièces détachées de la voiture en utilisant Bitcoin. Donc un pattern de monnaie peer-to-peer me permet d'acheter une voiture peer-to-peer. Donc on voit bien que ces patterns qui ont émergé ici et là, dans Wikispeed, on voit qu'ils se mettent ensemble. Alors aussi très intéressant chez Wikispeed, c'est leur modèle de production. Donc ça s'appelle Extreme Manufacturing. Donc ils ont appliqué les modèles de design rapide de logiciels pour le design physique. Donc ils ont, tout comme Henry Ford avait une méthodologie pour faire ses voitures, Wikispeed a développé sa propre méthodologie pour produire ses voitures. La production à la chaîne. Voilà, encore une fois, c'est donc... Alors le problème dans la production industrielle, c'est que c'est linéaire, donc on fait une chose après l'autre, chaque fois on a besoin de permission, il y a le contrôle hiérarchique. Par contre, chez Wikispeed, c'est un développement parallèle distribué, où chaque contributeur peut changer une partie de la voiture en temps réel, de façon continue. Et donc c'est pour ça qu'ils ont, avec 80 personnes dans 12 pays, ils ont pu faire une voiture qui a, au niveau écologique, donc 5 fois plus efficace que les voitures qui sont faites aujourd'hui dans les usines de Détroit. Voilà donc l'exemple de Wikispeed qui est pour moi intéressant parce que justement il montre d'une façon très concrète la logique de cette nouvelle économie. En plus justement le résultat, c'est à la fois un résultat qui est très, très fiable d'un point de vue écologique, etc., mais c'est qui coûte le coût de la voiture aussi. Oui, je crois qu'elle est vendue environ à 24 000 $, donc qui est tout à fait compétitif. C'est une voiture de sport, donc en fait assez compétitif. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on est dans le open hardware ou le logiciel libre, on est dans le coût de production plus une marge de profit. On n'est pas dans la rente intellectuelle. Donc il n'y a pas un énorme surplus de 2-3 000% basé sur un monopole de propriété intellectuelle. Donc les coalitions d'entreprises qui travaillent autour du logiciel libre, autour du open hardware, sont très compétitifs au niveau des prix, puisqu'ils ne demandent pas le surplus qui est dû à un monopole artificiel qui est en fait imposé par l'État. Donc c'est pour ça que c'est aussi un modèle qui est très productif, très compétitif, même dans le monde capitaliste. Parce qu'il permet de fonctionner à un niveau de prix nettement inférieur au prix qui est pratiqué par l'industrie capitaliste. Il y a deux aspects, donc il y a l'aspect contrôle, donc il y a une perte de contrôle, ces firmes ne contrôlent plus la chaîne de valeur, s'il y a un switch, une transformation vers ce nouveau modèle, et ils perdent leur rente de propriété intellectuelle. Donc il y a, face à ces deux pertes, donc les industries qui ont grandi par ces monopoles sont très peu intéressées pour investir dans ce nouveau modèle. Alors il y a évidemment des exceptions, par exemple on voit bien dans le monde du logiciel libre que pour des firmes comme IBM, c'est très intéressant de mutualiser le développement de tout leur logiciel qui n'est pas clé dans leur compétitivité. Donc par exemple tout ce qui est interne à IBM peut très bien se faire avec Linux. En fait je crois que sans trop exagérer on peut dire qu'IBM est devenue une firme de consultants Linux. Essentiellement c'est leur modèle de business. Donc il y a un intérêt aussi de la part de certaines firmes de se réorienter vers ce mode de production. Alors le problème évidemment aujourd'hui, donc cette production entre pairs, elle vit dans une codépendance avec le système capitaliste. Donc
Le commun est croît, donc au niveau collectif, mais les individus qui contribuent au commun sont obligés d'être salariés dans des firmes capitalistes qui prennent la surplus value, qui prennent la valeur ajoutée dans le système d'accumulation de capital. Donc un de mes soucis, c'est de rendre ce nouveau mode de production beaucoup plus autonome. Donc ma proposition, c'est de combiner une nouvelle forme de licence que j'appelle la Peer Production License. Elle a été développée par quelqu'un qui s'appelle Dimitri Kleiner. Alors, le changement de cette licence par rapport à la licence générale publique qui est utilisée par le logiciel libre, c'est que à la place de dire tout le monde peut utiliser notre commun, nous on dit si vous êtes une firme privée qui utilise notre commun sans contribuer au commun, vous devez contribuer financièrement au commun. Par contre, si vous êtes une coopérative ou une non-profit et que vous contribuez à notre commun, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Alors l'idée, c'est de créer un réseau de firmes solidaires et éthiques autour d'un commun particulier. Et en fait, soit que les contributeurs d'un commun créent leur propre entreprise coopérative, soit de convaincre les acteurs de l'économie solidaire et sociale de switcher, de se transformer et d'adopter des techniques open source. Donc, bottom-up et top-down, d'essayer de créer un réseau de plus en plus autonome qui s'auto-supporte à l'intérieur du système capitaliste dominant. Donc moi je crois que le changement, il se fait quand on voit surtout dans le passé, par exemple le changement vers la féodalité ou de la féodalité vers le capitalisme, c'était parce qu'il y avait à l'intérieur du système dominant déjà un autre système naissant, et quand le système dominant s'est effondré, il y avait déjà des germes d'un nouveau système qui existait. Donc je crois que c'est la stratégie de changement que nous devons suivre, c'est de soutenir cette économie entre pairs, de la rendre plus forte, plus autonome, de telle sorte que quand il y a une crise écologique et financière qui se produit dans le capitalisme, qu'on soit prêt pour inspirer un plus large public à adopter ces nouvelles pratiques. Donc j'ai un sort de schéma, donc à mon avis le peer-to-peer est inévitable, c'est-à-dire que la croissance et l'emploi des facteurs de production distribués est inévitable. Il est trop efficace, il est hyper productif, etc. Mais la propriété et le contrôle de ces technologies n'est pas donné d'avance, donc ça dépend du rapport de force, des luttes sociales, etc. Bon, alors imaginez que vous avez deux pôles, deux axes. Donc un axe contrôle centralisé et un axe contrôle distribué, un axe pour le profit, un axe pour le commun. Alors le capitalisme netarchique combine un contrôle centralisé des technologies peer-to-peer avec une orientation pour le profit. Un exemple clé, c'est Facebook. Oui, Facebook, il y a des dynamiques sociales peer-to-peer, donc on échange en communauté, on partage des liens, on crée des projets, mais nos données, on n'est pas propriétaire de nos propres données, on ne contrôle pas le design de la plateforme, et la monétisation est exclusivement faite par Facebook. Donc là, c'est une hiérarchie du réseau qui contrôle le réseau. Donc c'est ça que j'appelle le capital netarchique, c'est donc l'hiérarchie du réseau. D'accord ? Alors, autre possibilité, c'est le capitalisme distribué. Donc, par exemple, Bitcoin, donc la monnaie peer-to-peer, est quand même un design de rareté. Donc le design de Bitcoin, c'est l'or. Elle est produite par des ordinateurs, mais il faut l'acheter.
Donc, soit il faut investir dans l'ordinateur, dans l'électricité, soit il faut acheter des bitcoins. Donc, si on est pauvre, on n'a pas de bitcoin. Et le design de Bitcoin est inspiré par l'idéologie politique libertarienne, donc qui est contre l'État, contre les monopoles, mais qui est pour un monde où chacun a la liberté d'être un petit capitaliste, si on veut. Et donc il y a un design déflationnaire dans le Bitcoin. Donc au début, on en fait beaucoup, puis on en fait de moins en moins. Donc la demande, elle va croître plus grand que l'offre. Et donc, la valeur du Bitcoin va monter. Donc, ça veut dire qu'on peut être égoïste et employer Bitcoin. Donc, c'est pas comme les... Il y a beaucoup de monnaies complémentaires qui demandent un investissement éthique d'utilisateurs. Et Bitcoin ne le fait pas. Donc, on peut très bien être complètement dans l'avarice et aimer Bitcoin. Si on combine une orientation locale pour le commun, on est dans ce que j'appelle le mouvement de résilience locale. Donc les transition towns, l'agriculture organique locale, les monnaies locales. Donc là, il y a vraiment une orientation pour le commun, mais il y a quand même cet aspect, je dirais, local. Donc il n'y a pas nécessairement une vision globale, une vision politique. Et souvent, c'est déterminé par une sorte de philosophie de survie. Donc ce sont souvent des gens écologistes, ils ont une vision négative du futur, qui peut être très correcte évidemment, que le monde contemporain ne va pas survivre dans la forme d'aujourd'hui. Et donc c'est ce qu'on appelle en anglais une lifeboat strategy, donc une stratégie de survie, on est localisé. Alors moi je suis un partisan du quatrième quadrant, donc orientation globale pour le commun, c'est-à-dire qu'il y a une vraie orientation politique. Qu'on est là aujourd'hui pour changer le monde, qu'il faut réorienter la structure profonde du monde tel qu'il est. Bon, essentiellement, pour faire un sommaire de ma proposition, aujourd'hui on est dans un monde qui combine une fausse abondance et une fausse rareté. Donc on croit que le monde physique est infini, on va le détruire, l'appauvrir, mais en même temps on fait des propriétés intellectuelles qui rendent difficile la coopération, la culture et la science, et la coopération et le partage. Le monde peer-to-peer, c'est un monde où on reconnaît les limites du monde physique et on reconnaît l'abondance naturelle du partage immatériel. Ce qui est très important à mon avis à comprendre, c'est que la rareté et l'abondance ne sont pas uniquement objectifs, donc ils ne sont pas uniquement des caractéristiques matérielles. C'est aussi une façon de voir le monde. Par exemple, quand vous êtes dans l'abondance, par exemple dans le tiers-monde, moi je vis en Thaïlande, il y a encore des communs. J'habite à Chiang Mai, il y a des tribus de montagne, ils ont des communs. Quand on est dans le commun, on est dans l'abondance, parce que quand on a toujours le moyen d'utiliser les ressources communes pour se nourrir, etc. Quand on commence à privatiser le commun, on est tout de suite dans la rareté. Parce que moi je ne peux pas aller chez le voisin pour mes besoins. Donc si moi j'ai pas moi-même mon terrain, je suis dans la rareté. Donc la rareté, elle n'est pas dans la terre, elle est dans notre façon d'organiser la terre. C'est pour ça que je crois que l'Internet a joué un rôle important, parce qu'il a socialisé les jeunes pour le partage. On a vu que ce qu'on nous dit est impossible dans le monde physique, c'est-à-dire partager, coopérer. On a vu que c'était très bien possible dans le virtuel. Et donc on a redécouvert l'abondance dans le monde virtuel, et c'est pour ça je crois qu'il y a une renaissance du partage dans le monde physique. Donc je crois que c'est pour ça que la culture digitale est très importante, parce que les communs physiques étaient sous l'assaut, on va dire, du capitalisme, étaient défensifs. Tandis que les cultures digitales sont offensives. On est en train de recréer des communs par nos propres efforts, et on voit qu'ils sont hyper compétitifs et hyper productifs par rapport aux alternatives dominantes qui existent. Alors moi je crois qu'il y a trois sortes de communs principaux. Donc il y a les communs qu'on hérite, donc l'océan, les rivières, la nature, les forêts.
Et là, on peut se demander, est-il correct qu'un être humain puisse être propriétaire de quelque chose qu'il n'a pas créé lui-même? Donc, pas, il a pas, je suis d'accord, quand on ajoute par le travail la valeur, on peut en profiter. Mais la base même, l'air, l'eau, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à toute l'humanité et même à tous les êtres qui vivent sur la Terre. Alors, deuxième commun, c'est les communs concrets, le langage, la culture, l'Internet, le logiciel libre, et on les crée en commun, donc il y a aussi là une propriété partagée. Mais je crois qu'il y a un troisième commun qui est très important, et c'est la matière qu'on crée. Donc, par exemple, dans le modèle Wikispeed, le design est collaboratif, mais les machines aussi sont collaboratives. On emploie des imprimantes 3D open source qui ont été conçues collaborativement. Et donc, je crois qu'on doit aussi travailler sur ce troisième commun. Et donc, moi, je propose dans mon modèle, c'est qu'il y a une mutualisation des connaissances, l'immatériel, mais il y a aussi une mutualisation du physique. Alors pourquoi c'est important? Donc quand on voit la crise de l'Empire romain, par exemple, donc il y a toujours un moment au niveau des empires où le maintien de l'empire, le coût du maintien de l'existant, fait qu'en fait les conquêtes deviennent trop chères. Quoi. C'est plus cher que d'intégrer des nouveaux territoires que de conquérir. Donc en ce moment, il y a une crise d'extension matérielle de l'Empire romain en particulier, et on a vu que l'Empire romain, quand il s'est effondré, a donné une relocalisation de la production, mais je sais que c'est un peu bizarre de les appeler comme ça, mais les moines chrétiens, c'était un Global Open Design Community. Donc c'est eux qui ont maintenu par leur travail et leurs échanges culturels la sphère culturelle européenne. Et donc, très vite, il y a eu de l'innovation agricole, dans les techniques, qui a recréé une prospérité pour l'Europe vers le Xe siècle. Or, aujourd'hui, on a exactement le même problème. Donc, on a tellement appauvri la Terre, donc on va avoir des problèmes de ressources énergétiques, de matières premières, de l'eau, la nourriture. Or, la compétition capitaliste, c'est une économie d'échelle. Ça veut dire qu'il faut produire plus pour être compétitif. Donc, utiliser plus d'énergie et plus de matière pour être compétitif. Or, Wikispeed, c'est une économie de portée. Donc, c'est-à-dire faire plus avec les connaissances qu'on a, donc mutualiser les connaissances, et faire plus avec la matière qu'on a. Donc, scaling up from one. Le monde entier, toutes les communautés Wikispeed vont contribuer au développement non seulement du produit, mais de l'outil productif. Donc on fait plus avec ce qu'on a. Donc on fait une compétition par la portée et non pas par l'échelle. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc quand on va dans un monde de ressources rares, on va avoir besoin de ce shift civilisationnel, qui est en fait le même qui s'est passé à la fin de l'Empire romain.